toujours toi. Rien que toi. Partout toi. Toi, toi. Allô, c'est vous, Georgette? Passez-moi, monsieur Totor. Si, trouvez-le. J'attendrai. Le voilà? Parfait, passez-le-moi. Totor, c'est toi? C'est moi, oui. Émile est en haut? Non. Tu l'as vu? À quelle heure? Il était seul? Tu ne te doutes pas où il allait. Il ne t'a rien dit. Il était noir? Oh, je ne suis pas inquiète, j'avais une chose urgente à lui dire et j'arrive pas à mettre la main dessus. Ça marche. Bravo. Moi? Au moins après mon travail, je rentre, je suis morte. Mieux, plutôt mieux. Le docteur? Si tu crois que j'ai du fric pour voir les docteurs? Oh, mais je me soigne, je rentre, je me couche. Émile? Émile est un ange. Il est parfait pour moi. Mais s'il va rentrer, il ne me quitte jamais, il devait avoir une affaire. Enfin, ça va, je t'embrasse, hein. Allez, au revoir. Au revoir, Totor. Bonne chance. C'est vous. Votre frère. Naturellement qu'il est là, votre frère. Il est là, mais il est dans la salle de bain. Je vais l'appeler. Émile. Émile. Quoi? Tu ne peux pas venir. Charmant. Allô? Ce qu'il est grossier. Non, il me crie qu'il est tout nu et que ça ne serait pas convenable au téléphone. Si je suis sûre qu'il est là. Vous êtes folle, Simone. Naturellement qu'il est là. Ah, c'est pas de ma faute s'il refuse de se déranger, de venir. Ta sœur trouve que tu pourrais te déranger. Ah, il a un vocabulaire choisi. Non, il est dans l'eau et prétend rester dans l'eau. Je vous redemanderai. C'est ça. La garce. C'est pourtant facile de téléphoner, de décrocher un appareil.
La sœur a téléphoné. J'ai dit que t'étais dans ton bain. La peine qu'elle sache que tu n'étais pas rentrée à l'hôtel. Que tu traînais n'importe où. Elle aurait été trop contente du reste. Elle ne téléphonait que pour se rendre compte. Elle répétait, vous êtes bien sûr qu'il est là. Elle garce.